Evet, Muzdalifa kısa kafilesi olarak Fransa'dan elhamdülillah 184 hacımızla Arafat ziyaretine geldik. Burada Fransızca, Arapça olarak hocamızla beraber, Sami Ben Salem hocamızla beraber işte buranın Arafat ziyaretinin anlatacağız inşallah hacılarımıza. Hani kiram, ahavati, hada Jebelur Rahme. Ve hadihi al-ard, hadi as-sa'id, huwa sa'idu Arafa. L'endroit c'est Arafa. La montagne, on l'appelle la montagne de Ar-Rahme. L'appellation de Arafa, il n'y a pas quelque chose de fiable. Pourquoi ça s'appelle Arafa? Il y en a qui disent que Adam et Hawa sont rencontrés ici. Ta'arafu. Fasummiyat Arafa. Ils ont fait connaissance ici. D'autres histoires racontent que Sayyidina Ibrahim, il a eu un accompagnateur, Jibril alayhi salam, et chaque fois il le fait se rendre dans des endroits qui représente les rituels du Hajj, et il lui dit, Sayyidina Ibrahim, chaque fois, Araft ou Araft, jusqu'au que l'endroit où on est s'est appelé Arafa. L'essentiel qu'il faut savoir, que Allah subhanahu wa ta'ala, d'ailleurs ce que je dis aux frères hier, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le kitabi al-aziz, « Wa lillahi ala nasi hijju al-bayt » Hijju al-bayt. Est-ce qu'il y a de l'importance d'être à Arafat Jabal al-Nur. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kana taqiyan naqiyan sharifan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était quelqu'un d'honnête, quelqu'un de parfait parmi les hommes. Sallallahu alayhi wa sallam, pendant sa vie, il n'a jamais fait des choses illicites. Il n'a pas fait l'association à Allah azza wa jal. Il a grandi dans la nuité d'Allah azza wa jal, dans le tawhid. Car les Arabes, ils savaient, ils connaissaient le rituel de Ibrahim et la croyance de Ibrahim, même à l'époque de l'Jahiliya. À l'époque de l'Jahiliya, il y avait des amis à Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui prêchaient la da'wa de tawhid, de la ilaha illallah. Et Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était proche d'Allah azza wa jal. Il était loin de tous les actes qui sont illicites, ou bien des pensées, des croyances qui étaient égarées. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avant qu'il devienne un messager, qu'il devienne prophète, il aimait s'isoler. Il vient passer une période du mois de Ramadan à la grotte de Hira, dans cette montagne-là. Vous voyez, c'est pas aussi facile que ça, mais ce qui est bien là, il est isolé. Il observait comme il l'a fait Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Il regardait l'univers, et à travers l'univers, il arrive au Seigneur de l'univers, subhanahu wa ta'ala. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, avant la révélation, il dit « Hubbiba ilayya al-khala ». Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait aimer d'être isolé des gens, d'être seul. Et je préférais être seul. C'est l'un des premiers signes qu'il deviendra prophète. Le deuxième signe que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'il passait à côté d'un arbre ou bien d'un caillou, il lui dit « Assalamu alayka ya Rasulallah » Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Rasulillah. Wa kana al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam yara al-ru'ya. Il voyait des rêves, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fatakounu ka falak al-subh. Elle se réalise, ces rêves. C'est les signes qui sont été avant la révélation.